C'est fini. C'est finalement Manchester City qui remporte ce duel italien-anglais sur une petite marge de score, 1-0. Un but signé Rodrigo. Il faut rappeler que ce match a été de haute facture, beaucoup d'intensité dans le jeu. Le portier camerounais Inter Onana n'a pas démérité. Inter également non plus, parce que ils ont tout donné. André a fait beaucoup d'arrêts majeurs. Les attaquants Interis, Lukaku, Latour, tous ont donné de l'heure pour permettre à Inter de pouvoir remporter ce duel à Istanbul. Mais malheureusement, ce n'était pas leur jour de chance. On n'avait qu'à voir beaucoup des actions qu'ils ont perdues vers la fin du match pour s'en rendre compte que véritablement, ils n'avaient pas de chance. La grande déception de cette finale, c'est certainement le fait que Pep Guardiola n'a pas misé sur l'Algérien Riyad Mahrez, et pourtant il est pressenti être parmi le ballon d'or africain cette saison. Lorsque Guardiola a choisi de le maintenir au banc, eh bien c'est compliqué. Finalement, le duel entre Henderson et Onana, c'est Henderson qui la remporte, ayant fait meilleure prestation dans sa carrière professionnelle ce soir. Les citizens peuvent remercier longtemps le Brésilien Henderson, qui véritablement peut sans prétexte signer l'homme du match, vu qu'il a véritablement œuvré pour permettre aux citizens de pouvoir remporter cette unième trophée. Les Nerazzurri n'ont pas démérité, comme nous l'avons dit. Ils ont beaucoup œuvré, mais malheureusement, ce n'était pas leur foi. Beaucoup de courage à André, qui certainement doit reprendre les entraînements très prochainement avec les Lions indomptables. Il est pressenti que cette nuit même, à 3h, les Lions affronteront la formation mexicaine. Et même si André ne serait pas là, il est également prévu dans les jours prochains, on pourra jouer contre l'Ouganda ou alors attendre septembre tout simplement lorsqu'on croisera le Verbe avec la formation burundaise pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est terminé. Finale. Manchester City, Inter de Milan. Il faut dire qu'il aurait fallu attendre jusqu'à la 68e minute pour voir le but de Rodriguez, pour voir le but de Rodrigo, qui a défié une balle de Bernardo dans le centre de réparation d'André Onana et qui a fini dans les cages d'André. Jusqu'à là, André a fait bonne mise, très bonne prestation. Il a gardé ses goals vierges, sereins, ayant bloqué beaucoup de tirs de Hollandais Erling. Et puis, ce but a donné un bouffet d'oxygène au coach Pep Guardiola de Man City. Mais rapidement, les hommes de Zaghi se sont repris la manche avec la tête haute. Plus précisément, avec la détermination de Lukaku en bloquant une balle qui était pratiquement vers la direction des buts des interistes. Et aurait été très fatal pour les hommes de André Onana, les hommes de Simon Inzaghi, qui compte véritablement pour la première fois remporter ces andames. Je veux dire, cela a aidé à maintenir le score par un intervalle minimal d'un but à zéro. On se rappelle, lors de la conférence d'avant-match, Pep Guardiola disait déjà, si Inter a une force avec qui on ne peut pas s'amuser, eh bien c'est leur défense. Parlant de défense, il ciblait notamment le portier camerounais, André Onana, qui a jusqu'ici gardé ses cages vierges pour près de 8 confrontations sur les 13 qu'il a disputées. Malheureusement, aujourd'hui, il a déjà concédé un but. Et tant que ce n'est pas fini, on ne saurait dire que André et Inter n'ont pas eu leur mot à dire. Compliqué de comprendre tout de même les choix de Pep Guardiola lorsqu'on sent que Riyad Mahrez, le joueur de City, originaire de l'Algérie, qui ce soir, on le mettait face à André en disant l'un d'eux portera la coupe aux grandes oreilles, eh bien on ne comprend pas que jusqu'à la 89e minute, il est toujours au banc, il n'a pas trouvé le temps de jeu. On espère que d'ici un bout, il va trouver le temps de jeu pour au moins se soulever cette coupe-là si jamais City arrivait à remporter avec une participation légendaire. Plus clairement, il semblait que Inter n'a pas beaucoup de chance. Comment à la 89e minute, avec ce coup de tête de Lukaku, Anderson a pu retirer cette balle-là qui était pratiquement entrée? Ce n'est pas possible, cette action. On dirait que les balles d'Inter ne veulent pas apparemment entrer dans les goals de City. Alors que les minutes s'égrènent, on court petit à petit vers la fin de cette confrontation qui a mobilisé tant de monde par travers le monde pour pouvoir vivre ce match. Ici à Molico, on a vécu ça entre coupure insensible d'électricité et générateur groupe électrogène ici et là, mais cela n'a rien retiré sur l'euphorie autour de cet événement-là. Ce sont des groupes de personnes qui se sont organisées, véritables randonnées pour pouvoir vivre ce festin du football mondial autour de la Ligue des Champions. André Onana n'aurait pas démérité si jamais Inter n'arrivait pas à égaliser pour pouvoir pousser à la prolongation. Nous sommes en train de grainer petit à petit les dernières minutes de temps de jeu réglementaire en attendant
que le temps additionnel soit émis sur l'écran. C'est comment comprendre que les attaquants interistes se permettent de perdre les balles. Lautaro, la tête de Di Marco, sortie de Lukaku, la tête de Lukaku encore, a choisi de mettre la tête au fond où se trouve Anderson. Ça fait beaucoup dans ce genre de match où les opportunités sont rares. Il faut saisir l'occasion pour égaliser, pour donner encore un bouffet de souffle à Simon Inzaghi qui n'attend que ça pour cette qui se présente à lui et que pour la première fois, il voulait garder un... Manchester City signs Champions of Europe, Champions of the UEFA Champions League this season. A goal scored by Rodrigo in a deviation of Bernardo. Andro Nana, the saver for Inter, put in a lot of effort to make sure that he could keep his win a save, but unfortunately the deviation from Rodrigo could not help but enter, and it is somehow out of disappointment that fans of Andre and of Inter de Milan signed out of this other edition of the finals of the UEFA Champions League. But we wish Andre all the best. The next season is coming with a lot of potential. A lot of big clubs have spot on him. He was equally envisaged to be part of the Ballon d'Or of this season, the golden medal for African soccer this season. But with this defeat at the finals, a lot of dice are yet to be played for him to feature amongst. Riyad Mahrez as well, the Algerian, equally unfortunately did not play this final. And we don't know why Pep Guardiola chose to leave him out of the playground. But it still makes a win for the Algerian over the Cameroonian. That's how we saw it for this edition of Foot with Mayo Siri. Reporting live for the finals of the UEFA Champions League in Istanbul. Catch you for the next edition. Until then, take care of yourself. Ciao. Bye-bye.